Nous avons pour mener à la si vous savez ce qui s'est passé dimanche le 26 mai passé. Caméra, Non, je dimanche 26 mai passé. Les marchands à Milan, vous savez que nous sommes venus à la mairie de Kermassar. Nous sommes la coalition Benoboko Yakar, la commune de Kermassar. Et nous savons qu'au niveau de la commune de Kermassar, ce qui est le plus Benoboko Yakar. Et au niveau des adjoints au maire, c'est le Benoboko Yakar. Au niveau des commissions, c'est le Benoboko Yakar. Et nous fustigions énergiquement ce que nous savons. Nous sommes mettre l'eau. Et le Benoboko Yakar, on est très fâchés. Parce que nous, le Benoboko Yakar, nous sommes en nombre de 36 partis et mouvements légalement constitués. Nous sommes derrière l'honorable député maire Moustapha Meng. Ici, dans la commune, il y a un seul Benon qui est en train de marcher. Benon, Benon. Nous fustigions ce que vous savez. Parce que ce n'est pas normal. Nous sommes la mairie. Ils se réclament des frustrés de l'affaire. Du bindi lettre, de qu'ils envoient au niveau de l'État. Nous sommes la mairie de Kermassar, la délégation spéciale. Et surtout, nous savons ce qu'ils se réclament de Benon Boko Yakar. Si Benon Boko Yakar, moi, je suis. C'est le Benon qui est derrière l'honorable député maire Moustapha Mbeng. Quelqu'un qui a adressé une lettre au niveau de l'État, qui a envoyé le ministre, ça doit être le Benon Boko Yakar. C'est Moustapha Mbeng, l'honorable député, qui a envoyé des cachets, c'est le Benon. Et nous lançons un appel au président de la République, qui est le coordinateur de Benon Boko Yakar, de prendre toutes ses responsabilités au niveau de la commune de Kermassar. Et nous demandons à Timbo, le coordinateur départemental, de prendre toutes ses responsabilités pour que quelqu'un puisse réclamer le Benon Boko Yakar. Si nous sommes tous les honorables députés Moustapha Meng, nous ne sommes pas le coordinateur de Benon Boko Yakar. Et nous lançons un appel aussi à la responsable départementale, Mouy Awanya, pour nous accepter MOOC, quelqu'un qui a de réclamer le Benon Boko Yakar. Le Benon Boko Yakar, le coordinateur, c'est l'honorable député maire Moustapha Meng. Et il y a des gens qui sont des frustrés de l'affaire, il faut le dire. Parce que le Benon Boko Yakar est constitué de 36 partis. Mais justement, cette frustration est motivée par toi. Là, nous ne pouvons pas le gérer. Parce que nous sommes des chefs de parti, nous sommes des responsables de parti. Notre répondant, c'est le coordinateur de l'APR, Moustapha Meng. Hormis Moustapha Meng, nous n'avons pas de parler au nom de l'APR. Et les responsables et les alliés de Benon Boko Yakar, qui sont au nombre de 35 et mouvements légalement constitués. Quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas de mettre, demande ce chef de parti ou ce coordinateur de l'APR. Il n'est pas dit que n'importe qui est le coordinateur de Benon Boko Yakar. Le Benon Boko Yakar est constitué des coordinateurs et des présidents de parti. Si un militant de base Diop dit réclamer, il est de Benon Boko Yakar, c'est un usurpateur de fonction. Et que nous allons porter plainte, nous allons prendre un huissier et nous allons déposer directement au niveau du procureur pour nous faire une usurpation à Moud. Celui qui se réclame, le président des marchands à Milan, nous avons pas Diop, nous disons. Un message, nous sommes la mairie et nous lançons un appel au procureur. Au moment où la mairie a été incendiée, nous devons mettre le dénouement, nous devons mettre le et nous le condamnons et le Benon le condamne énergiquement. Et nous remercions l'honorable député maire Moustapha Meng, il faut le dire. Le coordinateur qui a accepté le Benon Boko Yakar. Les 36 partis légalement constitués doivent nous nangou et nous allons prendre toutes nos responsabilités pour que l'usurpation de fonction d'autres hommes. Nous lançons un appel au procureur aussi. Nous lançons un appel au président de la République. Nous lançons encore un autre appel à Abdoulaye Timbo qui est le coordinateur et à Awanya aussi.